تقشيشين كي فول بيردغ دو بوا الوغ لازم اتسهمت بزاف الحوايج في الماكله ايني جبني نني كي القمش اي سي با بون بور لو كور الوغ لازم اتسهمت تاع صبرت لازم اتسهمت سكسو بيسار لازم اتسهمت بالكوكس لازم اتسهمت الشربه لازم اتسهمت الجواز الدوفيه لازم اتسهمت الجواز العطس لازم اتسهمت الجواز الحمص لازم تسهم تبركوكس بركوكس افتر قصول اتسهمي كل تحبول تملالين اتسهم تسعى تحبول تمرقة اتسهم اي نيك اللي يقلن الجوازة المراقية اي نيك اللي يقلن اكني كون دني غيني جبنين نخموش اي با سي با بون بور لو كور الو ما يبغى فريمون يون يبغى غاردي لا ليني ناسي فالا ستابيليزي وقطع عفار بزاف on a un poids de forme, par exemple une kilo poids de forme, 52 kilos. 52 kilos à l'iné, il ne faut pas que je les dépasse, il ne faut pas que fort plus, il ne faut pas adjir plus. Donc c'est vraiment le poids inno depuis mon adolescence. L'azim, pour garder justement ce poids et cette ligne-là, c'est tout ce que je vous ai cité, les plats, c'est de temps en temps, par exemple les pâtes, la dernière fois par exemple, je vais à la boulangerie, on est vraiment client tous les matins, c'est une tsara, c'est nos petits pains au raisin le matin, etc. Elle m'a offert un gâteau, quand quelqu'un te dit je t'offre un gros gâteau, tu peux pas lui refuser ce nitrat. Et je suis arrivée, j'ai mené à. Je l'ai pris par politesse, tu vas pas le jeter, chef. Et ben je vais vous dire, j'ai mangé la moitié du gâteau de je vous jure, c'est la cuillère, une cuillère à soupe, ce chien tiens. Mais ça veut pas dire que je vais prendre du poids direct. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des gâteaux, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des choses grasses, etc. Donc c'est comme si ça ne comptait pas. Tout le mail là, par exemple, le gâteau aïen, Azkouya, pareil. La semaine prochaine, pareil. Oh, bah avec le nez, ça devient une habitude. Là, par contre, tu vas prendre du poids. Tout ce que tu fais, tu peux tout manger, à condition que ça ne devienne pas une habitude. What sense les frustrations. C'est-à-dire, mais là par exemple, ça va être une frustration parce que le corps demande. Score, c'est la drogue. Score, par exemple, au tout début, les gâteaux, les machins, c'est comme une drogue. Mais, une fois que tu es sevré, c'est comme si de rien n'était. Une fois de temps en temps, ça compte pas. Mais maladie, ça devient une habitude. Le corps, il est toujours à la même heure que de mon discours, par exemple. Eh bien, il ne faut pas céder. De temps en temps, il n'y a aucun problème. Tu peux manger une glace, tu peux... tu peux... Par exemple, on va dire, allez, quand je dis de temps en temps, une fois tous les 15 jours, tu peux te faire plaisir. Au tout début, quand j'ai décidé, avec mon mari aussi, hein, il a perdu 28 kilos. Parce que là, il est fin, hein, mais il était un petit peu plus enrobé. Ça, c'est son poids de force, son poids d'avant. Mais à un moment, on a grossi ensemble. Même les couples heureux, ils grossissent toujours ensemble. Et tout ça. Et bien, on s'est dit, c'est fini. Et bien, ça a marché. Et pour lui, et pour moi. Et maintenant, on mange exactement la même chose. Il leur faut plus de calories que les femmes. Donc, les assiettes, elles sont un petit peu plus grosses que les miennes. Parce qu'une petite assiette née, par exemple, que j'ai filmée hier, sa carte de justesse, plus que ça, je ne peux pas finir. Hein. Parce que l'estomac d'aron, ça rétrécit. Mais il ne faut pas se dire, c'est peu. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps hein, de se faire des petites salades comme ça. En même temps, il y a un petit peu de tout, ça veut dire que tu as beaucoup de vitamines, à condition d'aron.
il faut prendre des compléments alimentaires. C'est bien, au cas où des carences, au moins avec les compléments alimentaires en cachet, ça peut te combler les carences iéniennes. Voilà, donc qui est pour moi, c'est tout à fait normal. Quand j'étais en vacances, c'est failli, et ben manger tous les jours au restaurant, et ben tous les jours au restaurant, par la suite, l'estomac est notre trafillé tout le temps. Et pourtant, c'est diète. En fait, sur les menus, il y a toujours un symbole, le symbole qui correspond à diète. Au début, à Imra, là, donc, je commandais des plats normaux. Par la suite, je me suis dit, je ne vais pas faire comme ça pendant les 13 jours et inéveillé, c'est pas possible, je vais repartir énorme. Même si je marchais et tout ça, on a perdu du poids, hein, même si on mangeait. Bon, ben, ils m'ont expliqué qu'il y a un symbole qui correspond à la diète, enfin, au plat diète. Donc, bledhan, blanc, le pire des pires, bledhan, la confiture. Oui, Ibranavitch, la confiture, et ben, la filintemms, le miel d'abeille. Le miel, nussah, ma chère. Ou ni bran zit ner dhan, ou ni zit nzemr à la place. Parce que ça, ça fait pas grossir. À partir du moment, bah, je connais, il faut le faire, parce que c'est zit nzemr. En même temps, zora tchè zit nzemr, il y a un peu de temps. Goumait tchè zit nzemr, il y a un peu de temps. À chaque fois, tu vas te faire un zit nzemr, zit nzemr. L'arqib nzit nzemr, il y a un peu. Enfin, bref. Voilà, donc ça fait partie, en bref, des choses qui deviennent une habitude. C'est normal, c'est comme ça. Je ne mange jamais à midi. De temps en temps, j'ai envie, par exemple, à 16h, je mange un fruit. Et encore, c'est vraiment de temps en temps, parce que je n'ai pas spécialement envie. Et moi, je mange l'achat, mais je suis Marnadic, par exemple, en Ftsnach, ou Ftsare l'achat. C'est très bien. Mais, le moment de la soirée, après une journée de travail, j'ai besoin d'une ambiance tablan, le meklan, etc. C'est un besoin, il y a cette ambiance de chaleur crème et tout ça. C'est pour ça que je mange plutôt le soir ou à la soir ou à midi. Mais je petit déjeune très bien. C'est-à-dire, petit déjeune crème, avec, enfin, normal, avec un café au lait que je ne peux pas m'en passer. Café au lait, café au lait avec 3, 4, par exemple, tranches de pain complet. Arôme en tomzen. Arôme d'abrien. Amorôme francis, mais en tomzen. Les baguettes, elles sont jaunes. Je me rappelle en 2017-2012, à chaque fois que je me disais, c'est du pain de maïs. C'est du maïs. Donc, je parlais de ça, il y en a qui m'ont dit, le safran. Il se dit ça, c'est le safran. Il est grave, ça coûte une fortune. Le caviar, zafran ayina. Machi wina khdem el Maroc na Tunis, le vrai safran, ça coûte très très cher. Machi c'est pas du safran il se khdem, hein, c'est du pain de maïs. Dukhbel. Donc maintenant mas tmarou men erden parce que le maïs est moins cher que erden. Donc voilà ce que vous achetez, agrom, le maïs. Normalement, ils devraient dire que la boulangerie, mais ils disent non, ils disent rien du tout. Ça te fait du nigglenken ou lâche autre chose. Les pains spéciaux. Les pains spéciaux, il y a plusieurs pains. Le pain de campagne, il a le pain, c'est les graines toutes différentes. Il a le pain céréal, il a le pain complet, il a le pain de seigle, il a. Mais c'est bien de manger ou du pain de seigle ou du pain complet parce que plus la farine, c'est brillant. Plus ça ne fait pas grossir ou ça les glucides. Donc, les glucides, arôme, ils sujet, ou chez Tran, arôme, ils sujet. Arôme, même l'aile, ils sujet. Mais arôme, rien. Ou que sujet, au contraire, elle a l'éthyl transit et tout ça. Voilà, je vous ai donné quelques astuces par rapport à certaines personnes qui me posent des questions par rapport à ça. Mais, et qu'il y a une dernière déjà pour finir, il n'y a pas de nickel, il n'est pas bon pour le corps. Il est très bon. Il est très bon pour le corps. Après, c'est un choix à faire.
وين يبغان افيتش ما ما دي جي غادي يصعوا لي فورم لي اونش بزاف غير لو نيكسيتيرا.